Après, j'ai un produit que je pense ne pas vous avoir montré dans mon haul que j'avais fait chez Tati. Donc, je vais vous le montrer. C'est un blush que j'avais pris dans le bac à 3,99 €. Il me semble que je ne vous l'ai pas montré. Donc, c'est le blush de chez Maybelline New York. Voilà, celui-ci. S'appelle qui n'a pas de nom, attendez, je vous dis pas de bêtises. Donc, sa référence c'est 501. Voilà, qui est un rose très très joli rose, un vieux rose très très beau, qui est le blush que je porte là. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais c'est celui que je porte, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, et qui fait partie ce mois-ci vraiment de mes blushs préférés, que je trouve très très beau, vraiment très beau. Voilà, je vais vous faire un swatch avec un doigt propre. Voyez, c'est un très 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 beau. Je vais vous le mettre ici. Donc, il est ici. Vous voyez, c'est un très joli, vraiment très joli blush. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Et après, je vais vous parler de mes rouges à lèvres, mes derniers rouges à lèvres, dont je suis tombée littéralement, complètement, follement amoureuse. Et j'en ai pris quelques-uns pour tester, mais j'ai déjà repassé une commande pour pratiquement tous les prendre, parce qu'en plus le prix est vraiment tellement tellement petit, c'est tellement petit comme prix que ce serait bien dommage que je me prive. Donc j'ai fait cette commande sur le site de Beauty Joint, et c'est les rouges à lèvres. Donc il y a deux, je voudrais vous parler de deux marques. Donc tout d'abord de la marque Jordana, qui vraiment les packagings, vous attendez pas des packagings de luxe, de super packagings. ELF fait largement mieux, hein. Il n'y a pas de souci pour le niveau du packaging. Vous voyez, les packagings sont vraiment, vraiment très, très basiques, plastiques. Enfin, voilà quoi, c'est écrit ici le nom du rouge de la marque. Et voilà, c'est très, très simple. Donc, c'est dans la gamme mat. Et donc, c'est le premier que je vais vous présenter, c'est le 38, le taupe. Qui est en ce moment mon nude préféré. Je l'adore, 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 ce rouge à lèvres. Vraiment, je l'adore. C'est un super rouge à lèvres mat. Vraiment, que j'ai payé. Alors, les rouges à lèvres de chez Jordana sur le site de Beauty Joint, pardon, coûtent 1,16 €. 1,16 €. Vraiment, la qualité est super. Je vous le remontre. Alors, c'est plutôt un nude dans les tons rosés. Je vais vous faire un swatch. J'ai mis aussi une photo sur Instagram et sur mon Facebook. Voilà, voilà. En ce moment, pour moi, c'est le nude parfait. Je l'aime, je l'adore, je le porte très, 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 très souvent. Vraiment, un jour sur deux, je dois dire, même en ce moment. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sentent très, très bons. Vraiment, ils tiennent très, 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 très bien. Vraiment, ils tiennent très bien. Et en même temps, c'est des mats. Mais ils ne sont pas du tout asséchants. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas du tout asséchants. Bien sûr, un petit peu de baume à lèvres, ça fait pas de mal. Mais je ne les trouve vraiment pas asséchants. Vraiment, je les trouve très, très bien. Le deuxième. Où est-il? Ah, il est là. Le deuxième. Toujours dans la gamme mat, donc de chez Jordana. Voilà, c'est le 52 Berry. Alors, qui lui est plutôt foncé. C'est un marron avec des tons de rouge. Je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez apprécier. Voilà. Je l'adore. Je sais pas quoi vous dire, mais quoi vous dire d'autre, à part que je le trouve vraiment trop trop beau.
Voilà. Et c'est pareil, hein, j'ai repassé une commande parce que j'ai envie de m'en prendre d'autres parce qu'ils sont vraiment terribles. Et les derniers rouges à lèvres que je vais vous présenter, ce sont des rouges à lèvres de la gamme de la marque Wet n Wild. Les mats de chez Wet n Wild. Qui sont tout simplement une tuerie, à mon sens, hein, pour moi, bien sûr, une tuerie internationale. Vraiment. Je les adore, les adore, les adore. J'en ai quatre à vous présenter. C'est pareil, j'ai repassé une commande parce que. Pareil, hein, pour le prix auquel ils sont. Alors, ils coûtent donc 2 euros les rouges à lèvres de chez Wet n Wild. Moi, je les adore. Bon, je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord, il y a donc celui que j'affectionne tout particulièrement, c'est le 916D Ravine Raisin, que je porte dans une de mes vidéos. Alors, je ne sais plus laquelle. Voilà. Qui est une tuerie, les filles. Une tuerie. Il est ici. C'est un violet, mais un beau violet, vous voyez. Il est voyant en même temps, sans trop l'être. Il est mat, hein, mais il est, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer. Il est vraiment super. Super, super. Alors ceux-là, par contre, il faut mettre du baume en dessous, un petit peu de baume pour pas trop trop assécher. Ils tiennent super, 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 super bien. Vraiment. 2 euros. Alors les packagings, effectivement, ne sont pas les meilleurs packagings du monde. Hein. Il est écrit la marque ici. Bon, la couleur est là, la couleur derrière aussi. C'est du plastique. Ok. Mais alors, le produit à l'intérieur. Moi, je veux bien avoir des packagings comme ça. Hein. Si tous les produits sont comme ça, j'en ai rien à faire. Hein. Franchement, voilà. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le 915B, qui s'appelle Speaking with Rum. Alors. De rhum en français, que je vais pas vous tous vous répéter les choses à chaque fois, mais je l'adore aussi, quoi. Lui, c'est un plutôt un corail assez foncé, un marron, vous voyez, plutôt les tons marron. Alors, je vais me dépêcher parce que je sens que la luminosité commence à se casser. Voyez comment il est. Il est très 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 beau. Très beau. Sur les lèvres. Il est tout simplement magnifique, magnifique. Alors bien sûr, je ferai des photos avec chacun des rouges à lèvres portés sur les lèvres. Mais par contre, je le mettrai sur mon blog. Voilà. Le troisième, c'est le Sugar Plum Fairy. Voilà, qui lui est un. J'ai toujours peur avec les packagings d'abîmer le raisin en fin de compte. Qui lui est en violet, un prune. Je vais vous le mettre ici. Vous allez voir comment il est beau. Vous voyez, il est ici. C'est une tuerie, les filles. 2 euros, quoi. C'est une tuerie. Moi, je vous dis, foncez, quoi. Foncé, foncé, foncé. Ces rouges à lèvres sont tout simplement trop, trop beaux, quoi. Vraiment trop beaux. Et le dernier, c'est le. Attendez, j'en ai présenté combien là? Oui, c'est celui que je porte là. C'est la cerise sur le gâteau. Donc, c'est le 965. Voilà, qui est un fuchsia, c'est celui que je porte. D'une beauté, un truc de dingue. Il est ici. Vous avez vu ça? Non mais 2 euros quoi les filles. Mat, parfait, je vais vous montrer. Sont
Géniaux, moi je repasse, j'ai déjà repassé une commande parce que vraiment j'ai envie d'en avoir beaucoup plus et je les aime vraiment beaucoup beaucoup. Alors les packaging par contre sont pas terribles, faut faire attention qu'on enlève le bouchon parce que je trouve que le raisin est assez proche du bouchon, donc il faut faire attention pour pas l'abîmer. Mais voilà, c'est une tuerie, une tuerie, une tuerie. Voilà, donc ça je suis super super contente d'avoir découvert ces rouges à lèvres et vraiment je les trouve super bien et vraiment je les adore. Et le dernier produit que j'ai pris sur le site de Beauty Jointe, c'est la Stay Matte de chez Rimmel, la poudre compacte matifiante longue durée. Celle-ci que j'ai payé 5,37€. Moi j'ai pris la 01, hein, la transparente, qui à mon sens n'est pas vraiment translucide. Je trouve que quand même elle laisse un léger voile blanc. Il faut vraiment en mettre très très peu, mais elle est très efficace même avec un petit peu. C'est vrai qu'elle est efficace sur la zone T, elle fait pas briller. Donc eux ils disent 5 heures. Oui, de toute façon je pense que je vous ferai une revue comparative entre celle-ci, entre cette poudre là matifiante, la poudre de chez MAC et certainement aussi une poudre de chez ELF que je pense acheter bientôt. Et voilà, donc je vous ferai une petite revue comparative entre plusieurs poudres, en tout cas matifiantes et entre guillemets transparente. Voilà, donc je l'aime beaucoup aussi, c'est assez, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai, mais je remets une poudre par dessus, je mets la poudre Mineralize de Skin Finish de chez MAC, hein, qui pour apporter un peu plus de, pour que ça évite de faire trop clair. Bon. De toute façon, je vous reparlerai de cette poudre parce que j'en ferai une revue. Je vais me mettre en no buy les filles parce que je trouve j'ai acheté assez de choses comme ça et surtout que à force d'acheter, ben on oublie de profiter de ces produits, des produits qu'on avait très envie d'acheter et que finalement on a acheté, mais bon, on s'en sert pas parce qu'on en rachète d'autres et on s'en sert voilà. Donc je vais être en no buy, je pense, pendant certainement 2 mois, peut-être si j'y arrive, peut-être même plus de 2 mois. Je vais essayer de profiter de mes produits, de vous faire beaucoup de revues sur tous les produits que je vais essayer, que je vais tester, et puis je n'achèterai simplement, je pense simplement quand j'aurai vraiment besoin. Donc si j'ai vraiment besoin, j'attends plusieurs commandes, une commande de chez MAC, une commande de bougies, une commande du site Beauty Jointe, une commande de chez Sleek, mais bon ça c'est pour le concours que je vous ai. Il est peut-être temps que je le fasse quand même, ce concours, non? Bon, bah il faut que je le fasse, donc voilà, donc j'attends plusieurs produits pour les concours, et puis une fois que j'aurai reçu mes 5 commandes, je crois, 5-6 commandes que j'attends, ce sera terminé, je n'achèterai plus de produits pendant 2 à 3 mois, parce que j'ai beaucoup de choses à tester, et qu'il faut aussi descendre un peu son stock, parce que sinon ça devient abusé d'acheter, et pour acheter, c'est pas non plus le but c'est de tester des produits, des nouveaux produits, c'est sûr, mais aussi de les utiliser et de vous en parler. Et là j'ai plein de produits que j'avais déjà achetés qui sont là et dont je ne vous ai pas parlé parce que je ne les ai toujours pas testés. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vais mettre en no buy. Donc pendant quelques temps, je ne pense pas que vous verrez des hauls sur ma chaîne ou des tout petits hauls si vraiment j'ai besoin de quelque chose, voilà, impérativement. Dans ces cas-là, oui, je rachèterai. Voilà les filles. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles et le garçon.